Bien, c'est ça. Ce qui est le fun avec Bécam, c'est que c'est ouvert à l'année. Donc, pour ceux qui sont téméraires et qui font du vélo d'hiver, c'est ouvert pour eux. Ils peuvent venir, c'est ouvert les 3 soirs semaine au moins. Fait. Moi, c'est Karine Côté-Germain, puis je suis membre du CA de Bécam. Moi, c'est Alexandre Fouillet. Je suis étudiant en sciences à l'UQAM, puis je me suis intéressé à Bécam l'année dernière, puis j'ai décidé de m'impliquer, puis je suis devenu sur le CA de Bécam. C'est sûr que c'est moins achalandé des fois l'hiver, parce que je veux pas, c'est une moins grande proportion des étudiants qui utilisent leur vélo l'hiver. Mais c'est une occasion pour nous faire des formations, puis de. Pire, si tu veux te monter un vélo avec Cam l'hiver pour l'été, tu vas pouvoir trouver ton compte si tu veux te faire un vélo avec des pièces neuves, ben, des pièces usagées. Puis ça, Bécam, c'est un atelier communautaire de réparation de vélo. C'est pour tous les étudiants, c'est pour promouvoir le vélo à l'UQAM. Donc on est équipé de presque tous les outils. On a des bénévoles qui sont là pour montrer quoi faire, comment faire. Bécam, c'est une initiative étudiante. C'est des étudiants en sciences qui ont commencé ça il y a quelques années au département des sciences à l'UQAM. Nos slogans, si on veut, c'est que on te donne pas un poisson, on t'apprend à pêcher. Fait que si tu viens ici pour réparer ton vélo, bien, on va te montrer, on va t'encadrer pour que tu puisses le réparer. Puis dans le fond, c'est que tu deviennes autonome. Puis un truc cool, c'est qu'on a des pièces usagées. Puis ça, c'est un prix, c'est pas cher. Fait que ça, encore une fois, ça permet de rendre accessible la mécanique puis le vélo. Ça concorde bien avec l'idée des sciences, puisqu'en général, on étudie les réchauffements climatiques et tout. Nous, on est là pour encourager l'utilisation du vélo. Fait que oui, on est écologique, puis on est à deux roues, puis tu peux même l'être toute l'année si tu veux, toutes les saisons.